Salut les amis YouTube, aujourd'hui on est sur une nouvelle vidéo, on est sur Doom, c'est la bêta fermée. Et donc c'est parti, je suis sur Xbox One, let's go, je fais la découverte en même temps que vous. Donc c'est parti, on va regarder. Alors, on doit confirmer une petite chose, donc j'ai téléchargé la bêta hier, je suis prêt à la lancer. On va voir ce que ça donne. Donc la bêta forcément, je l'attendais depuis un moment parce que vu les trailers que j'ai vus, ça a l'air d'être vraiment du lourd. J'espère tout simplement qu'il y aura un petit peu de monde quand même. Allez, multijoueur, on va se connecter. Ça a l'air d'être pas trop mal, voyons voir, je regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Donc il y a des, ok, lance-roquettes, sniper. Le bon vieux fusil de chasse à l'ancienne. Ok. Module de piratage. Ok, donc ça doit être des trucs en plus. Personnalisation. Ok. J'ai vu quelques vidéos qui avaient l'air d'être vraiment bien. On va se choisir un petit match à mort. Je suis plutôt, on va dire, embuscade. Grenade à fragmentation, téléporteur, il y a des trucs pas mal, lance-roquette et fusil plasma, on va choisir. Hein. Allez, c'est parti. Bon alors, on va voir ce que ça donne. Donc d'après la bêta qui était annoncée, logiquement il y a, il me semble, deux modes. Il doit y avoir deux modes multijoueurs, s'il me semble bien. Il y a un match à mort et il y a un autre, comment dire. D'accord, ok, donc on va reprendre assaut. Ok, c'est parti. Ok. Qu'est-ce que j'ai là? Grenade. Ok. Ok, d'accord. Alors ça a l'air d'être pas mal ça comme arme. Ça c'est les potes. Alors on va essayer de trouver les mecs qui doivent être en rouge, je pense. Alors c'est marrant parce qu'on est vachement sur des couleurs. Sur des couleurs un petit peu à l'ancienne. C'est assez sympa. Voyons voir. Ah, c'est bon, c'est là. Ok, d'accord. Bon, c'est les bleus contre les rouges. Waouh, 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 waouh. C'est qui sont les mecs? Ouais, je crois que ça c'est bon. Ok. Alors j'ai l'impression qu'il y a, des équipes où il y a des démons. Wow. Ok, c'est pas grave, on y retourne. Alors ça c'est les armes, ok. Donc au-dessus de la gâchette de droite, on a les armes. Donc c'est assez fluide, hein. Franchement, ça c'est assez kiffant. C'est comme les anciens Doom, hein, comme Quake, tout ça, pour ceux qui connaissent. C'est des jeux hyper fluides, hyper rapides. Le gameplay est basé sur le, sur la rapidité et puis la fluidité. Ah ok, je suis mort. Alors c'est vrai que par contre les maps, j'ai pas encore trop l'habitude, mais bon c'est pas grave, on va essayer de... essayer de voir ça. C'est incroyable, c'est la rapidité du jeu. C'est super fluide. Ça, par contre, c'est kiffant. Je pense que ça promet des matchs à mort super, super dynamiques. Allez, on va essayer de trouver les ennemis. Alors, les maps sont assez grandes hein, quand même. Là, il y a des espèces de sauts propulsés un petit peu plus haut que la norme. Ouais, c'est bon ça. Ok, c'est nice. Ok. Alors, par contre, c'est sympa. C'est tout en français. Ça, c'est plutôt cool.
On va aller aider les potes. Donc là, c'est un match à mort classique, hein, je pense. C'est bah, du la de la MME, hein. Ouh, d'accord. Alors ça, je sais pas si c'est. Non, apparemment, je croyais que c'était peut-être un PNJ qui pouvait aider les autres joueurs, mais non, je pense pas. Ok, non, non, c'est bien une classe, je pense, de personnages. Attendez, j'essaie de voir un truc. On est 1, 2, 3, 4, 5, on est bien, d'accord. On est 6 contre 6. Par contre, c'est assez fun, hein. Franchement, c'est pas le style de FPS qu'on a l'habitude de jouer. C'est un petit peu à l'ancienne. Et c'est assez sympa, quoi. Ça, c'est vraiment très, 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 très dynamique. C'est du bourrinage, mais c'est plutôt cool. Apparemment, il faut posséder. Faut posséder des démons, apparemment, je sais pas, c'est bizarre. Ok. Ok, donc lui, il m'a tué. Tué au lance-roquette. Allez, on est à deux, on le fume. Ah, punaise! Ok, bah j'ai pas encore trop l'habitude. Alors par contre, au niveau des armes, il faudrait que j'essaye d'autres armes pour voir. Bon, ça, c'est, j'ai l'impression que c'est les armes un peu. Alors sur la gâchette de gauche, on a aussi un espèce de coup spécial avec l'arme. Ce qui est plutôt sympa. Alors les touches, c'est pas tout à fait commun. Voilà, vous voyez là, je l'ai buté avec un coup spécial. Voilà, je récupère de la vie. Alors par contre, on récupère de la vie que si on ramasse des trucs, hein. C'est vraiment comme dans les anciens FPS où vous deviez ramasser en fait des caisses genre des medikits en fait qui vous redonnent de la vie. Ah, je l'ai fumé. Ok, je commence à comprendre le principe. Alors c'est super rapide, ça c'est cool. Alors j'ai un genre de boost là en fait qui est plutôt bien. Vous voyez, je suis un petit peu. Je suis un peu immunisé, j'ai l'impression aussi. Ah, je l'ai fumé. Ah, purée, son pote est arrivé par derrière. Ok, c'est sympa, c'est plutôt sympa. Oui, c'est bon ça. Ouais, on commence à prendre l'habitude, hein. J'ai vu un mec passer par là. Ok, d'accord. Donc on a accès à d'autres salles. Ok, ça c'est un pote. Ouais, je l'ai fumé. Alors lui, je sais pas, c'est quoi? C'est un genre de démon? Ok, on va le suivre. Ah lui, c'est un. Je pense que c'est une classe. Je pense que c'est une autre classe. Ok, on va changer d'arme. On suit les potes là, c'est déjà un peu mieux. Lui, il est mort. Ok. Je commence un peu à capter le principe, ça c'est cool. Ah, faut rusher à mort, hein. Ok, lui aussi, je l'ai fumé. Ah, bien joué! Ok, c'est cool. Allez, c'est parti. On essaye. Waouh, plus qu'une minute, ok. Par contre, je kiffe bien que tout soit en français. Moi, ça me fait plaisir quand j'ai un jeu qui est entièrement en français. Parce que, bon, voilà, à l'heure actuelle, hein, c'est pas ce qui coûte le plus cher de traduire un jeu. Ah, il y en a quelques-uns qui sont chauds déjà. Bah lui, je l'ai fumé. Alors par contre, c'est hyper gore, hein, vous voyez, on a les taches de sang, on a les mecs qui sont complètement pulvérisés. C'est pas pour me déplaire. Hein. Ok, d'accord. Donc on a des petits jetpacks là, comme je viens de voir derrière les mecs. On peut s'accrocher. Ah, punaise, punaise, punaise. Ok, d'accord. Allez. Je me suis fait attraper par derrière. D'accord.
Ah d'accord, donc quand on tire, on peut aussi faire exploser la roquette en plein vol. D'accord, fin du temps. Ok, c'est plutôt cool. Bon bah écoutez, c'est pas mal pour cette petite première. Je pense que je vais vous refaire d'autres vidéos. Je vais essayer d'autres... Bah, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo. Salut!